pas que des fleurs, il y a aussi des pics. Lorsque les gens les, utilisent mes concepts négativement, okay. C'est Noëlla Mutaya na bango. Et ça m'énerve. Nayara na batamabe na TVT na yape na batabien. Pourquoi on ne parle pas des batabien, on parle que des batamabe. Il y a beaucoup de méchanceté dans tout ça. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que Chantal Kanimbo est leur modèle, mais ils ne savent même pas écrire leur nom. Parce que c'est de la faute à Chantal. Donc voilà. Pas du tout. Voilà, c'est... Donc, il y a beaucoup de méchanceté. Mamouchi Boaboa, pourquoi bras croisés? Non, on est à l'église. Mamouchi Boaboa, qu'est-ce que tu en penses de ces 20 ans de carrière de Noëlla? Ok, Noëlla, Marie Noëlla, Madimba. Oui. Ouais, ça, tu fais des choses comme Kofi qui dit Marie Noëlla. Elle a dit qu'elle voulait Maria Noëlla parce que tout le monde l'appelle Noëlla, Noëlla. Et on oublie Marie alors que Maria, c'est vraiment son nom. Donc c'est Maria Noëlla comme Jean-Marie et autres. 20 ans de succès pour emmerder les jaloux. Exactement. Oui, parce que c'est vrai, il faut le dire. Hein. J'ai traversé beaucoup de courants. Moi, quand j'arrive, il y a Joe Kaka Bengele, c'est l'époque de Kajinda, Hélène Kalima, tout ça. Et il y avait plus. Hein. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai commencé ma carrière, on n'en entend même plus parler, les gens ne se souviennent même pas de leur nom. Alors, que je puisse avoir pendant 20 ans traversé toutes les époques et que les gens me reconnaissent mon savoir-faire, pour moi, c'est plus que de la reconnaissance, c'est une grâce. Et en plus, quand je regarde la télévision aujourd'hui, c'est vrai que mon style a été très mal copié par beaucoup de jeunes. C'est fort dommage. Je suis certes peut-être agressive, mais je suis une personne joyeuse. J'aime rire, j'aime m'amuser. Je ne suis pas une personne méchante. Mais mon style est très méchamment utilisé aujourd'hui. À part des personnes comme Pakimbo, mais qui l'utilisent positivement, il y en a d'autres que je ne citerai pas pour certaines raisons. Mais voilà, mes blagues, j'aime bien quand aujourd'hui les gens n'ont plus honte de dire on est des sanguères. Parce que la reine des sanguères est là. C'est super d'être the queen of gossip. C'est très bien et les gens ont emboîté les pas et tout, c'est bien. Après, il y a d'autres qui passent leur journée à insulter les gens. Moi, j'ai des critiques hard, mais je ne peux pas insulter à la télé. Donc alors, que les gens insultent en se servant. Respect pour voilà. La personne. Exactement. Que les gens insultent en disant tout ça, ma fan à Noëlla, non. Ces jeunes sœurs-là, chaque fois que je les suis à la télé, qu'elles disent qu'elles sont fans de moi, en fait, elles me brisent les cœurs. Elles doivent arrêter, c'est méchant. C'est méchant. Alors, arrêtez d'imiter si vous ne savez pas le faire bien. Ouais, faites-le bien, surtout ça. Faites et comme après... papy, il imite en améliorant. C'est exactement. Super. Il y en a tout plein, il y a Willy KMB, il y en a tout plein qui le font. Je ne suis pas gênée de voir reprise certaines choses parce que c'est bien fait. Après, pour les autres, quoi. Et après, quand tu sais que c'est toi qui as été à l'origine de tel ou tel autre concept et que quelqu'un d'autre l'a fait, écoute, on te lance à toi des fleurs, quoi. Pas que des fleurs, il y a aussi des pics. Lorsque les gens les, utilisent mes concepts négativement, c'est Noëlla Mutaya na bango. Ça m'énerve. Nayara na batamabe na TVT, nayape na batabien. Pourquoi on ne parle pas des batabien, on parle que des batamabe. Il y a beaucoup de méchanceté dans tout ça. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que Chantal Kanimbo est leur modèle, mais ils ne savent même pas écrire leur nom. Parce que c'est de la faute à Chantal. Donc voilà. Pas du tout. Voilà, c'est... Donc, il y a beaucoup de méchanceté. Exactement. Voilà. C'est juste ça, c'est pas par méchanceté. Tu vas limite, quand même. La tchèque a limite, mais. Bon, limite, c'est baron quand même. Oui, il a monté Malanga Bazaka. Bazaka, on va l'emboîter. Et ça, hein, moi, quand même, stratégique. On a pu éviter vous zoomer. Mais je les aime toujours, je les aime. Je ne cesserai pas d'aimer quelqu'un pour Salinga Mabé. En fait, je ne peux pas juger ma mère, mais là, on peut savoir. Moi, distancé, là, on me souvient. Moi, 100 mètres. Moi, 100 mètres, les... moi, 100 mètres, mort pour l'ambiance. Distance, toujours distance. Oui, toujours. Donc, voilà. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Mais maman, c'est bien écrit. Oui, c'est génial. Ah. Il y a des petites chaussures. Ça, c'est le sac d'un petit garçon. Donc là, on avait marqué fille. Et là, lui, t'as laissé ça dans la voiture. Je vous souhaite d'abord bon anniversaire.
Kaka papie, elenga Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tresimbelenga pro. Kaka. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive, bien aimée dans le Seigneur. Le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel, Tiffany Mokwa, dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombay, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Hosanna, na Yahwelele, Oezo Matanga, na Motema, Ezebele, Yango na Yebisio, Dajana, et les quatre êtres vivants, disaient. Ozali, isolo nanga ya tango pasi ya ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Zambé, Zambé, yo. Somba Pomade Awatosa, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatosa, et salami na banamboka ba congolais, na ban tete ya mboka Congo. Boke banabirat. Pour la province de Sabamole, Mpende, na Petolo. Somba gam ya pomade Awatosa, masse ya mbona ba parti oyo lingi vimba. Si ma y a 3 mois, on suit résultat. Fali! Oh! La pomade est à tout ça! Moi, c'est un alpha communal qui bocole. La pomade est à tout ça! Maria Noëlla Madinga, 20 ans de carrière et spécialement son anniversaire de naissance, elle est parmi nous ce soir. Oui. Pourquoi je dis ce soir? Parce que c'est un beau soir avec le derrière. Quoi qu'il y ait le soleil. Comme on dit, moi, Namboka, elle revient à ses sources, elle revient au Katanga, spécialement à Lubumbashi pour nous voir et pour fêter ses 20 ans de carrière. Je ne suis pas seule, je suis avec Pamela Chibwabwa qui est journaliste chez Dynamic TV. Oui. Pamela, bonjour. Emma, Emma Selemani. Ne vous en faites pas, elles se connaissent. Là, elles ont envie de m'embêter. Mais si elles pensent qu'elles vont réussir, elles se trompent. Bonjour les filles, bonsoir à ceux qui me suivent, peu importe l'heure à laquelle on me capte. Merci. C'était un kiff pour moi de vous avoir. Oui. J'ai dit, je veux voir ces filles-là de mes yeux. Oui. À la une, comme on dit. Alors, Qu'est-ce que vous êtes belles. C'est nous les intrus dans ton émission parce que vous savez très bien que c'est elle la star. C'est elle la star, c'est elle la boss. She's the boss. Elle a toujours été la boss. Vous l'avez vue dans plusieurs émissions. Si je me rappelle bien, dans Coiffure Kitoko, première édition, vous l'avez vue. Et vous l'avez vue sur Digital TV avant. Mais aujourd'hui, elle est journaliste libérale. Elle a son propre business. Et elle est son propre boss, quoi. Nous tous, on voudrait être comme elle. En fait. C'est pas facile. J'en ai la voix enrouée.
Non, mais ça me fait plaisir de vous voir les filles. Et puis comme tu l'as si bien dit, Emma Selemani, je suis de retour chez moi parce que moi je suis née au Katanga, à Lubumbashi, à l'hôpital où nous irons tout à l'heure, aux cliniques universitaires. Et ça me fait frissonner déjà avant que je n'arrive là parce que je ne sais pas si je saurais maîtriser l'émotion de revoir ces lieux dont je n'ai aucun souvenir, si ce n'est toutes les histoires qu'on me raconte et tout. Il y a quelques temps, Judith est allée là-bas avec Tanguy Matundu pour essayer de retracer mon histoire et leur demander la permission d'aller souffler mon gâteau là où je suis née. J'étais très heureuse déjà que les cliniques et les directeurs que je salue puissent accepter de m'accorder la chance, une chance très rare d'aller fêter là où je suis née. Ça n'arrive pas à beaucoup de gens et pour moi c'est un immense plaisir parce que ça tombe une année très spéciale de mes 20 ans de carrière. Donc je suis une femme extrêmement heureuse et en plus que j'aurai la chance d'accomplir tout ça avec ma fille à côté de moi. C'est juste magnifique d'aller fêter là où sa maman est. Et on signale que sa fille est ici, Mia, mais malheureusement elle ne fera pas partie du décor. Elle est trop belle pour vous, vous ne pourrez pas. C'est pas possible. Je te jure. Donc c'est voilà. C'est un phénomène, elle. Noëlla, 20 ans de carrière. 20 ans de carrière en tant que journaliste. Animatrice, présentatrice, oui. Tout ce qui englobe un tout petit peu le monde du journalisme, quoi. Uh-huh. Alors explique-nous un peu, t'as commencé comment? Ah, c'est une très belle histoire que je ne cesserai de raconter. Je suis une chanceuse. J'étais au lycée Boussangani, j'assistais une journée culturelle. Okay. Et où le groupe Baoutakin est venu prester avec Rokibi Monjongo qui est mon parrain. Difficile, et Baluka Kalamblaï, tout ça, ils sont arrivés. Et il a constaté que j'aimais bien animer. Il m'a dit, Raga est en train de recruter des animatrices. Ça t'intéresserait? J'ai dit, j'ai 16 ans. Il dit, ouais, mais c'est pas grave. Il y a d'autres enfants qui sont là. Il y a Narcisse Baya et Jeanne Soyer. Et j'ai dit, ok, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, tu dois apprendre à manier la console. Alors, il était DJ à l'atmosphère à l'époque. Il vient, il me prend, il m'amène à l'atmosphère le jour que j'entre déjà, les lumières là, bonsoir Paris. Parce que l'atmosphère, c'est le une boîte de nuit. Oui, qui à l'époque est dirigée par Eric Ndala et Richard Kabbalah, que j'embrasse très affectueusement. J'arrive, il me fait entrer, il me fait passer derrière sa console, il me donne des exercices et puis j'arrive à bien manipuler la chose. Et il me dit, demain après l'école, tu as rendez-vous chez Raga, tu rencontres Albert Bouiboué, le boss, le directeur de programme à l'époque. J'arrive, mais j'ai super faim, je suis fatiguée, l'uniforme me pèse sur le corps. Et puis, bam, y a plein de gens, je viens, je leur dis, vous faites quoi? Je suis plus intelligente que vous, au lieu de perdre le temps. Il faut me laisser passer directement, ça sera plus facile. Ne perdez pas votre énergie, laissez-moi y aller. Ils se retournent tous, ils me regardent, ils disent, oh, Ezanzala, moi non, allez-y. Vous allez faire ça que Biloba, le banal trouble. Ils étaient morts de rire et puis ils ont dit bon, Botika Kéminaï. Elle m'a dit ok, je suis entrée, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas laissé passer leur chance. Lorsque je suis entrée, Boubou me regarde en uniforme. Puis il me dit choisis ta musique. Et c'est là qu'il est bluffé parce qu'en fait, je suis tellement fan de mon papa que j'écoute sa musique. Moi, c'est Brassens, c'est les Beatles, je suis fan de John Lennon. J'aime le blues, j'aime toutes ces musiques-là. Et je commence par choisir les Beatles, je prends Grand Calais, je prends Angélique Kidjo qui à l'époque cartonne avec Agolo, je vais voir Loco Akanza qui est dans... Non mais vraiment j'ai choisi toutes les musiques que j'ai kiffées. Oui, et après pour montrer quand même que j'étais un enfant, on était en 99, on est en plein Boys and Girls Band. Là je prends Spice Girl, Eternal, oui. To Be Three et les autres. Et je mets la musique, non, les pauvres Bouibob étaient en boîte des nuits. Avec DJ senti. Nono. Oui, il a senti. Et tout de suite, il m'a dit, donne ton nom, tu viendras ici pendant 3 mois, il faut que tu apprennes et ensuite on te mettra à l'antenne. C'est comme ça que ça a commencé. J'avais même pas de diplôme, c'est monsieur et mon porte-bonheur. Rocky Monjongo, c'est mon ange gardien, je ne sais pas comment l'appeler. Il m'a ouvert la porte de mon propre avenir parce que plus tard, j'aurai mon diplôme, j'irai à l'université, mais je ne pourrai pas achever mes études parce que je suis claustrophobe. Alors j'étais tout le temps malade, j'étouffais, j'avais des crises d'anxiété à l'école, tout ça à l'université. Et j'ai interrompu mes études en deuxième graduat. J'ai jamais même décroché mon diplôme, un seul titre académique. Donc grâce à Mbouibou et Rocky Monjongo, aujourd'hui je suis quelqu'un qu'on reconnaît partout, qui rencontre des grandes stars. Ils ont sauvé ma vie. Je leur dois beaucoup et je n'ai rien à leur donner. Si c'est déjà dire merci, merci pour tout.
merci pour tout cet amour transmis à travers leur savoir-faire. Voilà. Exactement, la reconnaissance, la gratitude pour les opportunités qui s'offrent à nous comme ça et qu'on les attrape. Parce que la chance n'est pas donnée à toutes ces femmes et à toutes ces filles que vous voyez d'aller à l'école, d'être instruites et de faire quelque chose qu'elles aiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le journalisme, pour toi, c'est une passion. C'est une passion parce que je n'ai pas étudié pour. Et en plus, tu as fait 20 ans dans ça. 20 ans de succès pour emmerder les jaloux. Exactement. Oui, parce que c'est vrai, il faut le dire. Hein. J'ai traversé beaucoup de courants. Moi, quand j'arrive, il y a Joe Kaka Bengele, c'est l'époque de Kajinga, Ellen Kalima, tout ça. Et il y avait plus. Hein. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai commencé ma carrière, on n'en entend même plus parler. Les gens ne se souviennent même pas de leur nom. Alors, que je puisse avoir pendant 20 ans traversé toutes les époques et que les gens me reconnaissent mon savoir-faire, pour moi, c'est plus que de la reconnaissance. C'est une grâce. Et en plus, quand je regarde la télévision aujourd'hui, c'est vrai que mon style a été très mal copié par beaucoup de jeunes. C'est fort dommage. Je suis certes peut-être agressive, mais je suis une personne joyeuse. J'aime rire, j'aime m'amuser. Je ne suis pas une personne méchante. Mais mon style est très méchamment utilisé aujourd'hui. À part des personnes comme Pakimboma qui l'utilisent positivement, il y en a d'autres que je ne citerai pas pour certaines raisons. Et voilà, mes blagues, j'aime bien quand aujourd'hui, les gens n'ont plus honte de dire on est des sanguères. Parce que la reine des sanguères est là. C'est super d'être the queen of gossip. C'est très bien et les gens ont emboîté les pas et tout, c'est bien. Après, il y a d'autres qui passent leur journée à insulter les gens. Moi, j'ai des critiques hard, mais je ne peux pas insulter à la télé. Donc, alors, que les gens insultent en disant. Un manque de respect pour voilà. La personne. Exactement. Que les gens insultent en disant tout ça, ma fan à Noëlla, non. Ces jeunes sœurs-là, chaque fois que je les suis à la télé, qu'elles disent qu'elles sont fans de moi, en fait, elles m'ébrisent le cœur. Elles doivent arrêter, c'est méchant. C'est méchant. Alors, arrêtez d'imiter si vous ne savez pas le faire bien. Ouais, faites-le bien, surtout ça. Faites et comme après... papy, il imite en améliorant. C'est exactement. Super. Il y en a tout plein, il y a les Willy KMB, il y en a tout plein qui le font. Je ne suis pas gênée de voir reprises certaines choses parce que c'est bien fait. Ouais. Après, pour les autres, quoi. Et après, quand tu sais que c'est toi qui as été à l'origine de tel ou tel autre concept et que quelqu'un d'autre l'a fait, écoute, on te lance à toi des fleurs, quoi. Pas que des fleurs, il y a aussi des pics. Lorsque les gens utilisent mes concepts négativement, okay. C'est Noëlla Mtaya na bango. Et ça m'énerve. Nayara na batamabe na TVT na yape na batabien. Pourquoi on ne parle pas des batabien, on parle que des batamabe. Il y a beaucoup de méchanceté dans tout ça. Il y a des gens qui aujourd'hui disent que Chantal Kanimbo est leur modèle, mais ils ne savent même pas écrire leur nom. Parce que c'est de la faute à Chantal. Donc voilà. Pas du tout. Voilà, c'est... Donc, il y a beaucoup de méchanceté. Mamouchi Boaboa, pourquoi bras croisés? Non, on est à l'église. Mamouchi Boaboa, qu'est-ce que tu en penses de ces 20 ans de carrière de Noëlla? Ok, Noëlla, Marie Noëlla, Madimba. Oui. Ouais, ça, tu fais des choses comme Kofi qui dit Marie Noëlla. Elle a dit qu'elle voulait Maria Noëlla parce que tout le monde l'appelle Noëlla, Noëlla. Et on oublie Marie, alors que Maria, c'est vraiment son nom. Donc c'est Maria Noëlla comme Jean-Marie et autres. Voilà. Maria Noëlla. Merci bébé. Oh là là. 20 ans de carrière professionnelle, oui. 20 ans d'expérience. Ouais, c'est quelles sont vos relations avec le journaliste du Katanga? Ah, déjà le Katanga, c'est mon berceau. C'est ici que j'ai appris à lire et à écrire. Parce que moi, je ne suis pas née à Kinshasa. Je suis allée, j'avais 5 ans. Ouais. 4 ou 5 ans, donc voilà. Mais mes maternelles, je les ai faites ici. À 5 ans, j'étais en première primaire là-bas à Kinshasa, mais je viens d'ici. La base d'une vie scolaire, c'est la maternelle, donc c'est d'ici que je viens. Tous mes repères, je les ai d'ici. Donc okay. Voilà, j'ai appris à parler, à marcher, tout, j'ai appris ici. Donc le Katanga, les journalistes du Katanga sont des modèles pour la plupart. Aujourd'hui, les plus grandes divas de la télé congolaise sont katangaises. Chantal Kanimbo Manyong, Lucano Rose, non mais... Si je commence à les citer, je dormirai là. Et les hommes, c'est pareil. Le Katanga a beaucoup donné au journalisme en RDC. Des vrais modèles, des icônes, des personnes. Le vieux Kasonga. Donc il y en a tellement. Le Katanga est une province qui a toujours porté ce métier. Et pour moi, venir fêter mes 20 ans de carrière ici, c'est leur rendre l'ascenseur, remercier tous ces vieux, toutes ces dames, tous ces aînés de nous avoir fait rêver. De nous avoir poussé à emboîter leurs pas. Bon, c'est vrai qu'on n'est toujours pas pareil à eux. On n'a peut-être pas leur niveau ou on les fait de manière parallèle. Mais bref, c'est des personnes qui nous ont inspirés quelque part. Donc pour moi, être ici, c'est respecter leur travail, respecter ce qu'ils sont et les remercier d'être ce qu'ils sont pour nous. Pourquoi ne pas fêter à Kinshasa? Je fêterai à Kinshasa, mais moi, Kinshasa m'a adopté.
je suis un caméléon. Je suis un mi-ange, mi-démon. Et donc, j'ai mes origines et j'ai mon côté fou. Et Kinshasa est la ville qui m'a permis de me montrer tel que je suis sous tous mes aspects. Parce que, par exemple, le côté leader à Basongi Songi, à Lubumbashi, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. Les gens sont très corporate. Mais leader Penzamba Basongère à Kinshasa, Bongonde Mama Songi. Trop de gossip. Ouais, voilà. Là, je suis dans mon élément. Donc, Kinshasa m'a permis de me présenter dans mon naturel. Voilà. C'est important. Lubumbashi et Kin sont des capitales qui me portent à cœur. Après, il y a les autres villes d'Afrique qui m'ont adopté à travers les programmes panafricains que j'ai eu à présenter. Donc, je remercie tout le monde. Tout le monde. Je dois beaucoup au public. C'est eux qui maintiennent, avec toutes les guerres que nous avons dans notre métier, toutes les peaux de bananes, seul le public peut vous maintenir. Et aujourd'hui, c'est un grand merci au public, un grand merci aux artistes, aux différents invités, mais surtout aux techniciens, les magiciens qui sont là. C'est eux les dieux du deal. Ouais, on les voit jamais, mais c'est eux qui font tout. Exactement. Mmh. Ouais. Il y a Thierry Cordier, mon réalisateur fétiche, mon porte-bonheur. Il y a Dax Menayame qui va réaliser cette émission. Et puis il y a les trois sorciers en face là qui font des miracles. Et voilà, c'est super. Donc voilà, rien que de la gratitude à chaque fois. Noëlla est une femme généreuse, c'est une femme qui a un très grand cœur parce que vous n'imaginez pas, c'est son anniversaire, mais c'est elle qui a prévu d'offrir à d'autres, d'offrir à ceux qui sont dans le besoin et surtout d'offrir à ceux qui sont nés dans le même hôpital qu'elle. Oui. Alors parle-nous un peu de ce don. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi est-ce que tu voudrais faire poser ce geste-là? Ah, je l'ai toujours posé, ça fait depuis 2008, quand j'ai commencé sur Digital, c'est là que j'ai lancé la première édition. Il y avait Marie Missamou, paix à son âme. Oh, c'est fou ce qu'elle me manque aujourd'hui. Il y avait Lexus Légal qui veut se transformer en honorable député. C'est mes gars, eux. Il y avait Cénéo, il y avait tout le monde. J'ai eu l'appui de tous les artistes, hein. tous, vraiment. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est au Katanga que je viens le faire. Donc je le fais tous les ans pour mon anniversaire. Parce que, je le rappelle encore, pour une femme qui n'est pas allée très loin dans les études, avoir la carrière que j'ai eue mérite beaucoup de gratitude. Il faut savoir rendre l'amour à ceux qui t'en ont donné. Ce sont ces gens-là qui m'ont fait. C'est grâce à ces gens-là que je suis moi. Donc de temps en temps, il faut aller vers eux, dire merci. C'est ma façon à moi de dire merci à mes fans, merde à mes ennemis, et puis voilà. Donc voilà, Noëlla va faire un très joli don à tous les enfants qui sont nés. On va mettre à partir dans la nuit du 2 au 3, décembre. Je suis né le 3, mais je serai gentille, on va faire un peu de rattrapage. Exactement. Donc on anticipe un tout petit peu son anniversaire, oui. Et on va faire des cadeaux. Elle va faire des cadeaux à tous ces enfants-là. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est que nous te remercions d'être revenu ici à Lubumbashi, spécialement au Katanga, pour nous voir, nous, et pour nous donner aussi l'opportunité de nous asseoir avec toi. C'est pas tous les jours qu'on s'assoit avec Noëlla. Non, mais c'est moi qui ai la chance de vous voir. Voir les gens des loin, on entend parler. Ça fait un bon bout de temps que j'entends parler de vous, mais là, vous êtes là, en vrai, en chair, en os. Elle n'a pas parlé de ses projets. Ouais, mais... les projets d'avenir. Bien sûr, on allait y arriver. On voulait d'abord commencer par tout ce qu'elle avait apporté pour le Katanga. J'ai aussi entendu parler d'un hôpital où les dames accouchent à 12 000 francs congolais. Ça m'a tout de suite touchée. Oui. C'était pas dans mon programme d'aller voir ces dames-là. Mais demain, on ira aussi. On me dit qu'il y a un monsieur du Katanga, dont je ne connais pas le nom, mais qui est candidat député, qui est à la base de cette initiative. Puis-je savoir comment il s'appelle, le député de la maternité? Jean de Dieu. Jean de Dieu? Moubenga. Moulenda. Moulenda, donc voilà. Je n'aime pas les politiciens, je ne les soutiens pas beaucoup. Mais tu es apolitique ou bien tu n'aimes juste pas? Ah, il m'énerve. Allez, c'est ton point de vue, on le respecte. Oui, voilà, ils disent tout et n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont pas le respect de leurs paroles. Ils viennent lundi, ils donnent des sachets de riz aux gens, et puis ils partent, ils ont le pouvoir et ils reviendront lorsqu'ils auront encore besoin d'abuser de notre confiance. Je pense que les gens doivent être très regardants cette année. Ils ne doivent pas voter n'importe qui. J'ai vu plein de candidats députés, même chez nos amis les artistes. Non mais vraiment, quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom. Quelqu'un qui sait à peine parler, veut devenir député. Il veut représenter qui? Les sourds, les muets. Même les sourds et muets parlent. Il y a les langages des signes. Après, il faut respecter son pays, il faut respecter sa nation. Ce n'est pas tout le monde qui peut se réveiller avec l'envie « je veux devenir député national ». Tu prends ta photo comme sur une pierre, t'emballes, tu colles sur une affiche et puis tu veux jouer avec nous.
On ne connaît pas, on connaît pas leur vision, on ne connaît même pas ce qu'ils vont nous apporter. Ils n'ont pas de vision. Plus, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de vision, ils ont faim. Ou certains veulent sécuriser leurs avoirs, mais qu'ils les fassent autrement. Pas sur le dos du peuple. Ça va, ils nous ont assez manqué de respect. Ça va, quoi. Ok, la petite parenthèse pour la politique était faite. Voilà, c'est fait. Mais on continue. Donc, tu disais tes projets, tu voulais aller voir cet hôpital de M. Jean de Dieu, Moulenda. En espérant qu'il aille plus loin. Exactement. Oui, qu'il aille plus loin. Nous espérons. Comme il est candidat, lui, par contre, je peux faire un appel au vote pour ce monsieur. Parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Okay. Peut-être que je ne le verrai même pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, voilà. Je ne sais pas, il est dans quelle circonscription électorale. Allez soutenir ces messieurs parce qu'au moins lui, avant qu'il ne veuille devenir député, il a fait quelque chose pour sa communauté. Il ne faut pas accompagner des troupeaux d'égoïstes qui viennent s'enrichir sur votre dos. Les peuples doivent se réveiller. Il faut arrêter de soutenir tout et n'importe quoi. Soutenez les gens qui vous respectent, les gens qui vous accompagnent. C'est juste pas normal, quoi, de soutenir n'importe qui. Et pour que je sois là au Katanga aujourd'hui, j'ai reçu l'appui aussi de certaines personnes qui n'ont aucun intérêt politique. Il y a une consoeur à nous, Nicole Dimbou, qui présente derrière les masques, qui a été pour beaucoup dans ce que nous faisons aujourd'hui, parce que c'est Nicole qui a assuré l'achat aussi de certains cadeaux à offrir. Elle en a offert pour beaucoup. Il y a un jeune homme formidable qui est un ami, un frère, Ted Kendai, qui est très connu dans les milieux musicaux, mais c'est Ted qui a assuré le transport de tout ce qui devait être livré dans les orphelinats. Parce que la maternité, c'est moi, c'est ma fête, mais les orphelinats, je lui ai proposé. Je l'ai appelé comme ça par hasard un après-midi. J'ai dit, Ted, il y a ceci à faire, tu en penses quoi? Il dit, je t'envoie quelqu'un. Donc voilà. Ouais. Donc on remercie toutes ces personnes ont participé de près ou de loin. De près ou de loin. Et puis il y a l'ambassadeur Mutamba qui a même eu à intervenir, à passer de coup de fil, parce qu'il fallait que nous ayons la permission d'arriver à Lubumbashi, à accomplir l'acte. Il s'est investi follement pour que cela soit possible. Il y a Tanguy Matungu, il y a Judith Beladi, il y a Nadanadi Nyoa qui vient des États-Unis, qui est née le 3 décembre comme moi et qui a décidé de venir fêter à Kinshasa. Je lui ai dit non, ne faites pas à Kinshasa, Nada. Allons, tende kouanta, chikwe, tout quoi fêter. Mais comment, quoi couler Dakar, Mikebuka. Donc voilà. Noëlla, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire à toutes ces femmes et à toutes ces filles qui rêveraient d'être comme toi, par exemple. Qu'elles ne rêvent pas d'être comme moi, parce que moi-même, je n'ai pas accompli mon rêve. Ben si, attends, tu as fait 20 ans de carrière, ce n'est pas donné à toute personne. Laisse-moi te dire que oui, il y en a qui rêvent d'être comme toi. Qu'ils ne fassent pas ça, c'est un rêve très restreint. Qu'ils élargissent leurs horizons. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut qu'ils aillent plus loin. Ok. Je rêve de toi sur les plus grandes scènes, tu sais. Je suis touchée, flattée, bien que merci. Tu es animatrice à tes heures perdues, elle est journaliste professionnelle, c'est plus régulier. Ouais. Mais avec ton speech, ton énergie et tout, je voudrais te voir bien plus loin. Je rouge. Ah oui. Ah merci oui, beaucoup. Ah oui, c'est vrai, t'as une voix, t'as le style, t'as la beauté, t'as tout pour. Voilà, après c'est un pays qui n'offre pas beaucoup d'opportunités, c'est ce qui est fort dommage, il faut se bagarrer pour tout et pour n'importe quoi, mais voilà quoi, il faut que les jeunes aillent loin, il faut que des portes s'ouvrent aux jeunes journalistes, aux jeunes animatrices, il faut qu'on rêve, qu'on vive nos rêves et qu'on vive de notre travail et de nos rêves, parce que vivre son rêve, j'ai eu la chance dans ma vie d'interviewer les Ben Affleck, Angelina Jolie, la première dame, tout ça, mais c'est vrai qu'une femme qui a eu tous les scoops que moi dans un autre pays ne vit pas comme moi. Elle a. On est au Congo. Voilà. On est au Congo, donc. C'est le Congo. C'est un peu dommage. Même si le problème avec le Congo, c'est quoi? C'est que c'est un pays qui nous offre tellement, qui a un très grand potentiel. Il y a tellement de talents, mais je te jure, j'en vois moi, que ce soit ici à Kinshasa. Tu vois des gens qui ont un talent, mais qui ne savent pas comment faire pour l'exploiter, éclore, oui. Il n'y a pas moyen, parce qu'on est au Congo, tu vois. On est dans les pays de la recommandation, des coutumes. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. C'est pourquoi, à toutes ces filles qui rêvent d'être toi, moi je les encourage, ne faites pas comme elle l'a fait, faites plus qu'elle. Ça c'est sûr, parce beaucoup que c'est ce qu'elle vous incite à faire. Faites plus qu'elle, faites mieux qu'elle. Exactement. Et surtout, continuez d'avancer. Très important, super, as-tu dit, as-tu. Alors, Pamela, un conseil aux gens, à la population, parce que les Anglais,
Par ailleurs, c'est Charlie Nong, vit de loin, dans son confrérie, Maxi Bio Café. Dans le Maxi Bio Café, ils ont traité les hémorroïdes, les forces, ils ont traité la fatigue. Donc, ils ont traité tous les malades, et écoutez, dans notre Maxi Bio Café. Nga vit de loin, na melakango e bongo yo. Ayuna. Tout se bien andam, madame. Oh! Onzo la tege bilamba si tout six. Ali lo zokle nango go bomanga. Lo kuni yangu sanga mitata yo moko. Te wo zinga di pa epistole. Eh. Lo kuni sanga notice. Ba contre indication izate. Oh. Ce que yo mena kabilo kamabe. Ya lo wi. Na zo zelo na kati. Landanga. Au Lucas qui est en haut, au 600. T'as vu ta posologie? Tu vois, il y a pas de l'homme? Jamais. Allez, qui si? Non, non, pas quand même, 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 solution de Jésus, Matt. Solution en haut. Maxi Bio Café, donnez les sous. Maxi Bio Café. Ils ont salé ma cambo et belé dans notre yamoto. Fongola la mémoire. Ils ont traité faiblesse sexuelle, hémorroïdes. Ok. Les hommes marquent. Solution la soir. Thomas de Napoléon. Mon 600. Bongo Kukate. Ton nom, Tanokoto. Maxi Bio Café, na zomba kamoana. Maxi Bio Café, e bongisi ibala nangai. Bien na di, podium na podium, pakaluya zomi moana. Maxi Bio Café à base de plantes, et son sinistre maladie belle l'azoto, tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavubu, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Donc voilà, partout où tu as allé, dans la Mbokatière, partout où je suis un caméléon, je m'adapte à tous les milieux. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me manque encore plus fort, c'est mon anniversaire, mais. Bakala Diakouba, papa, Wemba, il me manque. C'est vrai que toi, tu as eu tellement, oui. tellement d'opportunités de croiser toute cette grande tête-là du Congo, toutes ces grandes personnalités, mais je t'envie, crois-moi, je t'envie. Papa Wemba, c'était une personne à qui tu pouvais dire qu'il y a Mbisikuna, Bache de Brikifani. Moi, j'ai eu affaire à lui en 2014, quand on a participé à Miss Vodacom. Oui. Il a été là pour la dernière soirée, il a chanté en adorant. Non, mais c'est quelqu'un de... C'est mon parrain. Ouais, c'était une très très belle personne. En dehors de Mboubou, ce monsieur m'a toujours beaucoup encouragé. Et je dirais aussi merci à Kofi Olomide. Kofi, c'est quelqu'un avec qui on a des relations très particulières. C'est quelqu'un avec qui on se déchire tout le temps.
mais qui sait dire oui quand c'est important. J'aime le professionnel qui est en ces messieurs. Que les gens l'insultent ou quoi qu'ils disent, mais Antoine Agwepa Mumba Olomide, c'est un professionnel. Je respecte et j'aime les professionnels. Et je profiterai de mes 20 ans de carrière pour dire merde à tous les artistes qui pensent que je suis trop dure avec eux. C'est un travail, on n'est pas là pour caresser les gens dans les sens du poil. Exactement. Toye Moussala, Toye Tosepeli Sabato, Toye Teto présenté par l'état d'âme. Les artistes Tosepeli n'ont question de des fois nos films d'abattre. Ouverture d'esprit. Des fois, oui, il faut en avoir ouverture d'esprit. On a beaucoup de talent chez nous, mais il y a un problème de communication qui se pose. Photo régulièrement. Accepter la critique aussi. C'est là que Koffi Olomide, Papa Wemba, tous ces gens sont grands. Ouais. Ils savent accepter. Koffi Olomide, on l'insulte du matin au soir. Il y a Moutoumou, Babou, Inaboué. Mais jamais, il prend bien. Il dit, je suis mon pao, Baudien Belana. Il faut déjà penser à ça. Donc voilà, je remercie tous les artistes. Je remercie un artiste qui est quelqu'un de très vrai, J.B. Piana. J'y vais quand il aime, il n'aime pas, j'aime ça chez lui, il est entier. Il est cache, j'y vais à quoi quand il s'allume à 5 ans et demi, soit à 7 ans, il te voit aux yeux pour autant. Et j'aime ça chez lui, il est vrai. Et voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné, à mes confrères. C'est vrai que j'y pense pas trop, mais toutes mes aînées, telles que il est la famille que j'aime imiter. Yamamim, quand il est l'autre cas. 20 ans de carrière. L'âme de l'âme d'orienter. Voilà, elles sont nombreuses. J'embrasse toutes mes aînées. Et voilà, c'est grâce à elles qu'on est là. Et mes aînées au masculin. Et puis tout le monde, je les embrasse tous. Je les aime. Aujourd'hui, je suis plus en mot d'amour qu'autre chose. Et aux personnes avec qui on ne s'entend pas, qu'elles sachent que je leur ai pardonné. C'est juste que je ne vais pas leur adresser la parole pour que les bêtises ne se reproduisent pas. Exactement. Voilà. C'est juste ça, c'est pas par méchanceté. Tu as la limite, Kap. Tu as la limite, mais. Bon, limite, c'est baron quand même. Oui, Namote Malanga Bazaka. Bazaka, on va l'envoyer. Et ça, moi, quand on a mon stratégique, on a pu éviter Bouzoubé Mouta. Mais je les aime toujours, je les aime. Je ne cesserai pas d'aimer quelqu'un pour Salinga Mabé. On a pas un salaire à Batumabé. Donc, là, en fait, je ne peux pas juger Bango. Mais là, on pèse à moi. C'est moi distancé, ça, pour le Zouba. Plutôt, moi, 100 mètres. Moi, 100 mètres, les... moi, 100 mètres, moi, pour l'ambiance. Distance, toujours distance. Oui, toujours. Donc, toujours. Voilà. Et aussi, un message aux hôpitaux. Ouais. Ça fait 10 ans que je fais les hôpitaux de la RDC. Il y a quelque chose qui me fait très mal. Cette affaire selon laquelle quelqu'un qui ne peut pas payer, vous la gardez en otage à l'hôpital. Je ne sais pas à quoi ça arrive. Il faut être humain, c'est ta méchanceté. Ouais. Quelqu'un te doit 100 dollars, tu le bloques à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'il m'a 700. Mais s'il n'a pas pu payer 100, en fout à 700 d'ingénie. On est allé dans plein d'hôpitaux ou par regret. Zanga kimia balele la yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai namona te yo motakutana na yo azanga kimia balele la yo mokonzi lelo. Bonjour. Bonjour.
merci pour tout, moi. J'ai envie de pleurer tellement je suis heureuse. Oh oui, je vois, vous êtes émotionnée. Merci parce que vous faites un magnifique travail. Allô. Bonjour ma chérie. Les enfants sont là. Il y a une maman qui n'est pas là. Il y a eu une petite erreur sur mon acte de naissance. Le nom de mon papa est écrit Madinda, c'est Madinda. Si vous pouvez aussi m'aider à corriger ça. Quand j'ai vu le livret de naissance, c'est le 3 décembre 1982 à 5h20. Oui, mais on ne sait pas mettre ça ici parce que. Là, c'est des vêtements des garçons. Donc, si on met ici, on va donner un garçon à une fille. Des garçons, des choses. Le bébé est une fille qui a 34 ans. Il n'y a pas de problème. Mia, là. Mettez sur la table de maman, on va toucher les gâteaux. Elle est seule ici. Avec ta soeur. À la chambre. Je t'ai dit.
Donc tout le monde a laissé le cheveux poser. Oui, le cheveux était là où nous avons. On n'avance pas d'abord. Ici, on est les deux. Il faut chérir. Sako ponga occasion go eutine na yo Nembi no esengo na libota na ngayo ndenzambe Ya wena bomo moyo kya masanjoli na ngai Kanisa peba oyo na nukuba moni polete Sale na bango pote ronto tumba nela yo Nous vous souhaitez d'abord bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Si a mucha moquile pesa cate. Et quand j'ai entendu parler de vous, j'ai dit, je ne le connais pas, mais dites à ces messieurs, Azora Bokunze et Deba Tebele. Vraiment. Bon, c'est vrai que les enfants, ça coûte cher, mais continue. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos installations. Vous aussi, d'avoir passé le jour de votre anniversaire. Et venir visiter votre communauté. Surtout, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, on avait quand même prévu quelque chose pour aujourd'hui. C'est celle qu'elle avait prévu, de mettre quelque chose aux dames qui se sentent accouchées aujourd'hui. Bonne chance, hein. Bonne chance. Hier, maintenant, nos cousins. Ah, c'est son tel qui sont sortis. C'est... Ça couche très vite. Voilà. Et cette campagne d'accouchement gratuit continue jusqu'à l'année prochaine, au mois de mars. Nous avons 4 centres ici, à La Roachi, Ouabora et à Kisang. Partout là-bas, les accouchements sont gratuits. Mais vraiment. Nos frais propres. Vous n'avez pas de subvention, non, pas de soutien. Pas de subvention, pas de subside. Oh là là. Mais comment vous faites alors? Bon, vous vous battez. Nous nous battons, nous avons cette volonté-là d'aider nos compatriotes, et nous le faisons parce que d'abord, le cœur est disposé. Espérons que les cœurs que vous aidez soient sincères et vous soutiennent dans votre œuvre. Merci. Bonne chance, vraiment. Merci. J'ai rencontré des mamans. J'étais il y a 3 ans au camp Kokolo. Je suis allée payer pour les mamans du 3 décembre. Et là, je vois qu'il y a plein de noms. Je dis, c'est pas possible. Il est 11h. On était avec Jimmy Collet, Chat et plein d'amis. J'ai dit, à 11h, vous avez fait tous ces bébés-là? Qui a poussé comme ça? J'ai dit, amenez-moi les extraits de naissance avant que je paye. C'est là qu'on me dira qu'il y a une dame qui a fait 6 mois à l'hôpital. J'étais scandalisée. J'ai cru qu'il plaisantait. Et là, je vais vers la dame. Le bébé a déjà des cheveux et des dents. Et qu'est-ce qu'ils font? Il trouve une place au bébé dans un coin où sa mère et lui dorment à même les sols. Ils étalent un matelas. Ils sont là au coin. On ne peut pas être méchant comme ça. On les garde presque en otage, mais comment est-ce qu'ils font pour rembourser en même temps? C'est ça, la dame était là avec le bébé dans un coin, avec l'humidité et tout. Et puis, c'est pas top comme hôpital, c'est pas un chouette endroit. C'est méchant de faire ça. C'est pas tout le monde qui a des choses à donner en gage. C'est pas tout le monde qui a de quoi payer, mais faut pas ridiculiser les autres à ces moments-là. Moi, la Mimi Soukinami. Les hôpitaux au Congo. Les hôpitaux au Congo. Notre gouvernement est où? Le gouvernement. On ne devrait pas avoir, des hôpitaux où il y a des femmes qui vont accoucher gratuitement. Par exemple, c'est là que je dis qu'il faut encourager ces messieurs-là. Parce que même si les gens n'ont pas les moyens, ils ont le droit d'être heureux, ils ont le droit d'avoir une progéniture. Donc il ne faut pas aller accoucher des bébés à 2000 et 3000 dollars. Hein. Ce n'est pas des Brad Pitt qu'on fait là-bas. Donc, voilà. C'est pas des Brad Pitt. Donc notre gouvernement devrait revoir aussi cet aspect-là. Beaucoup, oui. Oui, oui. Ah, oui. Ils doivent revoir. Ils doivent revoir. Il faut qu'il y ait une manière d'aider ces mamans-là. C'est une nima. Tu nais, tu ne peux pas rentrer chez toi, tu commences à grandir dans un hôpital. En fait, cet enfant a connu la prison. Oui, en quelque sorte, oui. C'est pas normal. C'est une prise d'otage. Et son infraction, c'est de naître d'une maman qui n'avait pas les moyens. C'est très méchant. Et dans cette période de fin d'année, il y a beaucoup de gens qui se demandent toujours, mais qu'est-ce que je vais faire moi pour... qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette année? Qu'est-ce que j'ai offert aux autres? Parce que c'est ça, en fait. Tu vas pas vouloir que recevoir toi. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Et à bien donner. C'est exprès même que j'ai filmé l'emballage des cadeaux pour les enfants
Ici, les gens ont l'habitude de donner des choses dont ils se débarrassent. C'est impoli. C'est comme si je venais te dire j'ai faim et tu m'envoies avec les pieds l'assiette que toi tu as abandonnée. Ouais. Quand quelqu'un te demande, il faut. On te donne des miettes. Non, il ne faut pas me donner des miettes. Il ne faut pas me donner ce que tu vas mettre à la poubelle. Quand je dis que j'ai faim, donne-moi à manger. Donne-moi ce qui sort de ta casserole. Il ne faut pas me donner ce que. C'est vrai qu'il y a des choses que mon enfant ou ton enfant auront utilisées ou l'enfant oui, de Pamela. Il y a toujours des choses, sont, des vêtements, sont encore, oui, voilà, qui sont en bon état. Je suis d'accord, il faut les redonner à ceux qui en ont besoin. Mais il faut bien choisir. Il ne faut pas donner n'importe quoi aux gens. Et puis si vous avez les moyens, faites des courses, achetez du neuf. Il ne faut pas acheter pour $1 million. On peut acheter pour $10. Exactement. Et donner à une personne. Ces $10 vont le rendre heureux parce que cette personne porte une chose qui lui plaît. Une chose que ton enfant, ta soeur, ton frère, peut porter. Voilà, que porterait, qui porterait aussi, pardon. Oui. Donc, faut pas donner aux gens les choses dont on se débarrasse. C'est de la méchanceté. Les autres sont pas des poubelles parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. C'est ça. Savoir donner avec tout votre cœur et savoir donner bien. Bien, très bien. Donner avec respect. Exactement. 20 ans de carrière, oui. C'est une fête ce soir. Oui. On va boire, on va s'ambiancer. Les gâteaux, on va les manger. Vous, non, mais nous, oui. Oui. Je ne sais pas où tout ça va, mais bon, oui. Ça va quelque part. Non, mais c'est vrai que ton métabolisme, là, il faut qu'on en discute. Non, elle ingurgite de la nourriture, cette fille, mais... Ça va aller quelque part. Nous, Pamela et moi, on a vu, je commence à dire, je fous, mais elle, c'est de l'injustice. Donc, oh, Seigneur, on aurait une bouteille de champagne, on l'aurait déjà ouvert là, mais bon, voilà. Oui, on garde tout ça pour plus tard. On ne voudrait pas exposer tout ce que nous avons. On ne va pas exposer notre joie à ce moment-là. Donc voilà, Noëlla, un petit dernier mot par rapport à ton anniversaire. On doit chanter, hein. Je n'ai pas une belle voix, Pamela non plus, mais on va chanter. Ouais, heureusement que les casseroles ne sont pas sanctionnées en disque d'or. Tout va bien. Prochain de vol, je serai là, ne vous inquiétez pas. Allez, Noëlla. J'y serai loin. Un dernier petit mot. Bah oui, voilà, c'est merci à vous deux, les filles. Merci, c'est nous, on te remercie. Merci aux garçons. Merci à Bob Ngwanda, un grand frère formidable qui nous a bien encadré ici, Bob Ngwanda. Merci encore une fois à ma copine Nadayoa, à Mia Simone, ma fille qui fait partie de toutes mes aventures depuis sa naissance. Ton assistante, tu l'appelles? Oui, mon assistante qui m'aide à tout emballer. C'est super. Mais elle est aussi, elle travaille sur mon show Music Bar. Mia est l'assistante fumigène de l'émission. Ah oui? Engagée par Dax Menaya. Elle a un très bel avenir à tracer déjà. Oui, oui, oui. C'est elle qui s'occupe du fumigène, c'est elle qui fait toutes ces choses-là. Donc, Mia Simone, que j'embrasse très affectueusement. Et je remercie aussi ma mère, mon père, maman Maggie Kalala et Matina Désiré, mes parents, grâce à qui j'en suis là, grâce à qui le monde m'a connu. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui m'aiment, celles qui me soutiennent, et en particulier celles qui ont tenté de me détruire. C'est grâce à elles que je suis... Elles te rendent encore plus fort. Ah, c'est clair, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Exactement. Et puis après, plaire à tout le monde, comme dit Youssoufa, c'est plaire à n'importe qui. Je ne veux pas plaire. Parce que je ne pense pas être n'importe qui. Je pense que Dieu a mis en moi une âme formidable et il faut que je serve les autres. Exactement. Donc, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici pour fêter avec nous. Fêter au ministre. Non, il y a une politique. Aligné politique. Elle n'a aucun poste dans la politique. Je ne veux même pas. Donc là, vraiment. Elle est Maria Noëlla Madinga. Ouais, c'est mon poste. Mère de Mia, c'est un poste. Maman est mise. L'émission, bon, tu as 6 mois de disparition. Oui. 6 mois pendant lesquels j'ai disparu parce que je suis en cuisine. Pourquoi? Je suis en cuisine. En fait, j'étais en construction de mes nouveaux plateaux télé qui, là, sont en pleine finition, les petits détails. Et à la rentrée, vous aurez la saison 2 de Music Bar qui sera tout simplement époustouflante. Vraiment, je ne vous en dirai pas plus. Vous allez vous marier. C'est très bien. Nazara Kachir, Mende Paquet Zokolate. Voilà, Music Bar revient en force à partir du mois de janvier. Et puis, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Chambre à coucher. Chambre à coucher, en fait, est une émission à travers laquelle je valorise un humoriste congolais de talent qui a gagné le prix RFI et tout ça, Rancia Kukielukilia. Okay. Rancia des Kukiel qui nous représente souvent sur Canal+, les Parlements de Rire, tout ça. Rancia est mon mari dans l'émission. Okay. Et moi, je suis une femme chiante. Genre, tu joues ton propre rôle, quoi. Tu connais déjà bien. C'est genre... Rancia la mouka, 2h du matin. Rancia, il y a un massage à Darizan.
Là, il me fiotte l'ina, poussina, sorcière à l'ail. Parfois, je crie la nuit. Chérie, cauchemar. Chérie, Naélo, Maïdélo. Noéla, Ancia. Ça va? Oui, mes chéris. Na ça, maman, nous, ni les poignons, finalement, qui m'ont. Donc, c'est un genre de petit de comédie. Oui, un genre de comédie sous forme de capsule où okay. Je me lâche dans le pauvre rond. Ça donne une gamme à maman Bondo. On a hâte de voir ça. En tout cas, t'as hâte de, ça sera bien. Deux fois rond, ça y fait les ménages. Moi, je rentre les pieds sales, je monte sur les lits. Donc, chambre à coucher, c'est vraiment, c'est lui, c'est moi. Et c'est un concept à toi. C'est un concept à moi. Authentique. Oui, authentique Villa Maria Prod, comme tous mes autres concepts, comme Bravo l'artiste, comme Music Bar. Et là, je viens de pondre mon troisième concept. Et je me permets de dire à la télé, il va cartonner, comme je l'ai toujours dit pour les précédents. Quand j'ai dit aux gens que Music Bar allait cartonner, bah, bip, prétention. Après, c'est bon, on est bien. Donc, en tout cas, chambre à coucher. Soro c'est qu'à tester au brossa en 2 minutes, ça c'est plus mon problème. Alors, on va remercier quelques personnes. Tu avais quelques agences à remercier. Oui, les agences, parce que vraiment on a été super aidés. Hein. C'est super. L'agence Paradis Service, qui est sur l'avenue Maniema, numéro 18, référence l'église néo-apostolique. Oui. Merci à Bob Ngwanda. Mais vraiment, Blaise Louis m'a présenté une personne formidable. Et à ses jeunes collaborateurs, Baudric Bolanga, le principal, et l'international, c'est un footballeur, mais qui a un ami, Thierry Chembo, le génie. Thierry Chembo qui est en pause là, j'espère que sa carrière va repartir. Je lui souhaite tout simplement bonne chance. Je remercie Nicole Dimbou, Yolande Moutaralouyeye. Je remercie Mamie Onema, Christiane Kabassé, les Monsenepo. Ce sont des gens vraiment qui ont travaillé pour que ceci se réalise. Et Ted Tendai, Rachel Tendai. Ted, t'es tout simplement un amour de frère. Merci à toi pour tout. Et ainsi qu'au colonel Tshisekedi. Et à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, quelqu'un à qui je casse les oreilles, mais n'habite pas dans ma relation, mais on a soutenu. Donc voilà, les remerciements. À Tanguy Matundu et Judith, et ainsi qu'à à Nelly de l'aéroport de la Loano. Oui, un super un bon garçon. Et Pamela, de remerciements, quelques petits coucou à la maison. Oui, à Pamela, un gros bisou. Et aussi au Pullman Hotel Katanga, à Franck du Pullman, okay. À Patrick. Je les embrasse tous, ils ont été formidables. J'ai passé un excellent séjour. Le Pullman était paradisiaque grâce à eux. Donc, super service. Bisous à tout le monde. Voilà. Donc voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était les 20 ans de carrière de Maria Noëlla Matika, à qui on va chanter tout à l'heure. Et merci à Pamela Chipoivoi. Ah, il y a une agence de voyage qui s'est bien occupée de nous. J'avais écrit que... La mignonne, hey, la mignonne, et Tresimbelenga pro, Tresimbelenga pro, Kata.